compris, en attendant la neige, le mieux pour s'entraîner, c'est de tirer des pneus et c'est gratuit. Donc on met les pneus en série en perçant des trous avec un foret. Attention, au milieu, il y a de l'acier, il y a plein de petits filaments. On les raccorde avec de la corde ou de la sangle, comme j'ai fait. Ensuite, devant, on rajoute deux vieilles cordes, voilà, qui allaient au rebut. Et il n'y a plus qu'à attacher tout ça à un harnais. Soit le harnais qu'on a acheté qui va avec la poulka, soit un vieux harnais d'escalade. On a juste à accrocher au porte-matériel sur le côté, et puis ça le fait aussi. Deux pneus comme cela sur mon parcours, ça fait à peu près comme si je tirais un traîneau de 45 kg sur une pente à 20 degrés. Si ça vous intéresse de savoir le poids que vous traînez, il y a un petit calcul tout simple. Vous prenez la pente, je ne sais pas moi, une pente à 60%. Vous prenez, bon, sur l'iPhone, vous renversez l'iPhone sur le côté et vous avez plein de fonctions, cosinus, sinus, etc. Vous tapez 60, la touche sin, ça vous donne 0,80 et quelques, si je me souviens bien. Vous multipliez par le poids de ce que vous tirez, multipliez ensuite ce résultat par 1,3. 1,3, c'est à peu près le coefficient de friction qu'on aura sur de la neige. Et voilà, le résultat, ça vous donne à peu près le nombre de kilos que vous traînez vraiment derrière vous. Voilà, vous pouvez sûrement vous entraîner pour 0 euros avec ce que vous avez déjà chez vous. Et puis les pneus, je vous dis, vous allez chez le garagiste, il sera content de s'en débarrasser. Il n'y a plus qu'à s'y mettre, hein. En plus, après les fêtes, ça vous fera un peu digérer toutes les merdes que vous avez bouffées. Allez, bon courage.